Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de Castle Crasher. Donc je la tourne directement à la suite du premier. Donc voilà, donc la dernière fois on avait fait vraiment le premier niveau. Donc on avait fait le château maison, le donjon du château, la guerre barbare et le chef barbare. Donc n'hésitez pas à aller voir le premier épisode pour être sûr de ne rien manquer et de suivre un petit peu. Bon, il n'y a pas énormément d'histoire, mais quand même, allez voir le premier épisode, c'est cool. Et donc là on va te rendre à l'entrée de la forêt. Donc, qui est le prochain niveau, qui est chiant, il me semble. Qui est beaucoup plus dur. Voilà, c'est ce niveau. Donc voilà, bon. Maintenant, je risque de jouer énormément à la magie. Puisque ça devient extrêmement puissant, la magie, maintenant. Bon, il faut quand même savoir que... c'est puissant, mais bon. Par contre, toi, tu vas pas me casser les couilles longtemps. Voilà. Donc, du coup, on peut voir, il nous reste 3 princesses à sauver. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Oh, putain, ça fait mal, ça. Ouais, joue comme ça, joue comme ça. Joue comme ça, ça va crever plus vite. Voilà, dégagez. Donc, voilà. Ah! Wesh! Run! Mais il va crever le méchant là! Voilà! Il est mort! Dégagez là-dessus! Hein. Ce mort dinosaure! Bon, à la limite, je peux faire ça, ça fait plus de dégâts. C'est moi ou c'est des... Mais c'est des enfoirés. Et voilà. Donc je joue pas encore énormément la magie, parce qu'actuellement je fais plus de dégâts au corps à corps qu'à la magie, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve que ça va mieux jouer au corps à corps pour le moment, parce qu'on a le dino, mais après on aura plus le dino. Là, souvent, je vais jouer à la machine. Aïe, pète-moi tout ça. Voilà, on continue. Alors, ici, on a notre premier pet. Un fossile des animaux. Si tu récupères des fruits cachés dans les arbres, ben, tant mieux. Ça va nous aider. Oui, merci. Ça va nous aider pour le début. Vous allez voir qu'après, on va avoir des pets beaucoup plus pratiques. Voilà, c'est parce que notre magie, elle va pas très loin. Hein. C'est chiant. Voilà. Une pièce. Continuons tranquillement. Ça y est. Donc là, on rentre dans le niveau fucker sa mère. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre votre volume, votre cerveau à off. Donc, avant de commencer, je sais pas, j'entends pas bien, moi, en fait. Parce que je gueule comme un gros con depuis tout à l'heure. Il y a du monde. En tout cas, j'entends mal. Donc, je vais monter le volume un peu. Donc, voilà. Ah oui, ce truc. Dégage. Voilà, on peut voir que la magie, c'est quand même bien cheaté, hein. Voilà, donc vous avez compris ce niveau, en fait. Voilà, c'est ça va être des animaux qui chient de partout et ils tombent dans sa merde, logiquement. Voilà, donc ça va être hyper drôle. Bon, bah, moi, je trouve ça drôle. Parce que voilà, j'ai un humour de merde. Parce que j'ai encore 3 animaux. Oui, merci de me donner des fruits, putain. Oh yes, on monte de niveau, cool. Couille. Ah, je sais pas quoi dire. Oh, Bina. Qu'est-ce qu'il me donne? Plus 3 moins 1. Plus 2 moins... Non. Il ne m'intéresse pas.
Ah, j'aime pas encore la magie, en fait. Je préfère jouer au corps à corps en début de jeu. Parce que franchement, tant qu'on n'a pas une certaine attaque, c'est compliqué de jouer à la magie. Ah! Ça m'énerve! En plus, on a genre méga pas de mana, donc ça fait chier, je dégage. Ah! Mais bordel! Putain, vous avez pas de vie! Dégagez! Voilà, merci. Ah oui, ça c'est fucky. Voilà. Voilà, et ça va être ça tout le niveau. Et là, on a un nouveau pet qui nous permet de marcher normalement dans l'eau. On va pas le prendre. Il peut pas apporter des fruits, là, le FDP, là. Comment des fruits, ça, le FDP? Tu sais qu'il y a des arbres partout, là. On va chercher des fruits. Pour l'instant, je vais prendre celle-là parce que là, il n'y a pas de mal à bien déterminer à aller m'apporter du fruit, cet enfoiré. Donc, voilà. Merci! Let's go, on y va. Ta mère, pas eux autres. Ben, eux autres, ils ont rien, mais en tout cas. Voilà, merci. Donc s'il y a un pet, donc si vous avez des bombes, n'hésitez pas à aller le chercher. Moi je me souviens plus quoi qu'il fait, mais je pense qu'il n'est pas intéressant. Donc du coup, voilà. Du coup, on a un brisé d'herbe qui nous donne de l'agilité. J'en ai rien à foutre. Donc là, vu que nous autres on n'a pas de bombes, ben, on va pas y aller. Mais dès que vous avez des bombes, n'hésitez pas à y aller. Je sais pas si je vais y aller, je vais sûrement y aller en off. Ah okay. Oh, oui, ça c'est drôle, j'entends le big ours de la mort. Il chie dessus. C'est fucking drôle. Bah ben, c'est drôle. Je ris pas là, mais. Bon, en tout cas. Normalement, voilà. Toi, t'es un petit voyou, mais on s'en bat les couilles. Toi, tu fais la vaisselle! Ah non, tu fais pas la vaisselle, tu laves le linge! J'ai pas le droit de laver de linge là dans la vie. Oh, oh, oh. Non, non, laisse-moi, il y a de l'argent là. Il y a beaucoup de l'argent. C'est dur là pareil de jouer magie pour l'instant. C'est comme pas très possible. Donc je joue pas énormément de magie. Et là normalement on a un mini boss encore. Bon on va les laisser s'en aller hein les pauvres. On s'en va les couilles. Ah merde. J'ai complètement. Oui 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 mais il fallait pas tout mal en vrai. Voilà, on a le boss. Donc bon, c'est un truc, c'est une véritable ferme à XP. En gros, vous laissez faire spawner des mobs et après vous butez vos ces mobs. Vous allez voir, ça va vous faire XP quand même assez vite. Ouais, ça fait XP quand même. Bon, même je vais rester, je vais sûrement faire. Là, j'ai pas le truc qui booste mon XP. Donc, du coup. Ouais, bon, pour les connaisseurs, vous savez. Le truc qui booste l'XP, je veux dire. Ça, c'est le truc que tu peux pas rater. On va juste empoisonner. Voilà, on va l'empoisonner. Ah, ça reste pas. Regardez-moi ça, tout ce paquet d'ennemis là. Ah, je me suis fait niquer ma race. Vous voyez, c'est ça que ça fait les enfants pour regarder sa vie. Là, je crois qu'on l'a. Oh oui, on l'a. Ok, ça va, on a gagné les gens. On a gagné. On a deep power. Donc là, on va refaire le niveau. On va refaire enfin, les gens. On revient là où on en était. J'ai juste plus de potions. Donc, voilà.
Donc on revient où on était. Cette fois-là, par contre, on va être vraiment sans pitié. Et notamment, on a plus de niveaux. Et on vient d'obtenir un niveau, c'est bien. Ah, fuck. Bon, on va le prendre pareil. Donc on leur nique leur race. Fuck. Non. On se fera pas reprendre comme une merde, et voilà. Sauf que là, on voit que c'était pas cette bestiole-là qui faisait peur. Donc, on va courir avec tout le monde, hein. Et y a encore le truc, le barbecue chie, là. Et là, on rentre dans une mission extrêmement drôle. Donc, on peut voir que... C'est ça la bestiole. Donc là en gros, ce qu'il faut faire c'est courir. Tout simplement courir pour vos vies. Donc voilà, en gros faut juste l'esquiver. Donc voilà, c'est très simple. Ouais, c'est très simple, je dis ça, je vais mourir, vous allez voir. Donc, une technique, suivez les autres Bambi. Là, je suis en train de me gratter le dos, j'ai failli manger un mur. Mais suivez là où est-ce qu'ils vont les autres Bambi. Restez toujours avec un Bambi. Eux autres, ils se prennent jamais à rien. Donc là, les gens, c'était la coupure de l'épisode. Du moins, j'espère. Donc, on se retrouve. Donc, on est toujours en train de renaître sa mère. Donc je vais me concentrer. Enfin, en fait, j'ai pas besoin de me concentrer, mais bon. Voilà. Donc vous voyez, c'est ultra méga simple. Il y a rien de compliqué. Non, à 4, ça peut devenir un petit peu compliqué parce qu'il y a aucun autre chef pour te guider. C'est des Bambi, bordel. Oui. Non, voilà, il n'y a personne pour te guider, donc bon. Ok, c'est la fin! Lockbox! Et là, on tombe et voilà. Je sais pas quoi dire. Et là, on rentre dans une des forces du jeu que je déteste. Ah, c'est des cerfs, désolé! C'est pas des Bambi, c'est des cerfs. Des bébés cerfs, je crois. Donc là, on rentre dans une des parties du jeu que je déteste le plus. Franchement, vous allez pas me donner le coronavirus, bande de chauves-souris de merde. Voilà. Donc en gros. En gros, voilà. Donc, il y a des. Faut pas se prendre zéro obstacle. Il y a des monstres partout. Et faut esquiver tout. Voilà. Non, ils vont me donner le coronavirus! Attends, c'est vous! Quand ici! Aïe. Aïe. Donc bon, c'est assez chiant. Moi, perso, c'est un des... C'est un des moments du jeu que je déteste le plus. Sincèrement, j'aime vraiment pas ce moment dans le jeu. C'est pour vous dire, regardez-moi ça! Le nombre de chauves-souris qu'il y a, merde! Comment vous voulez survivre? Oh là, oui. Le baby shark, please. Non! Hey, tab! Si, j'ai pas envie de crever non plus. Oh oui. Oh merci. Puis là il y a le roi qui avait dans le premier épisode. Donc là il est nouveau là. Et là faut le mitrailler sa mère. Le plus qu'on peut. Et là on se retient. Là il va. Voilà. Et là, c'est une petite technique là. Là il va commencer à nous faire chier. Vous allez voir. Voilà.
Donc là, après, il en sort détruisant. On met notre bouclier pour être sûr de rien se manger dans la gueule. Et là, on mitraille. On mitraille le plus de boules qu'on peut. Lui, il veut nous frapper à répétition. Donc, on fait juste se protéger, en fait. Et là... Et là, c'est le drame. Hop, 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 hop. Normalement, je crois qu'il fait ça jusqu'à ce qu'il fonce de là. Bref. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Engage. Woo! Shit, man. Aïe, on a fait une crevée. J'ai voulu trop jouer le malin, on a fait une crevée. Hein. On a réussi, on l'a tué, on l'a tué, on l'a niqué, on l'a niqué, on l'a tué, niqué, niqué, on l'a tué. Oui! Voilà. On l'a eu! Et on a eu le deuxième niveau, si on pourrait dire ça comme ça. Donc là, il est là, là. Pétri à terre. Il est mort, il est mort. Voilà. Bon, on n'a pas eu de premier coup par contre, celle-là. On a déverrouillé une nouvelle arène. Et on n'a pas déverrouillé de nouveaux personnages. Bon, c'est pas grave. On continue à augmenter nos pouvoirs magiques pour l'instant. On continue tant qu'on peut augmenter nos pouvoirs magiques, on les améliore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller ici, dans le magasin des voleurs. Donc, oui, le magasin des voleurs. Et puis, toi, tu augmentes. Évidemment, c'est de la merde. Ah non, ça augmente la magie. Hmm. Combien les potions? 14. Magie. Allez, vas-y. Non, non, non. Moi, si ça augmente la magie, je dis oui. Il faut voir qu'elle commence à aller loin, notre magie. Quand même. Oh bah. On va continuer. Donc, on voit qu'ici, il y a la reine des voleurs. Et plus en bas, on a la reine du roi, juste ici, qu'on fera peut-être plus tard. La reine du roi, ça nous donnera un nouveau perso. Donc, bon, voilà. Là, je sais pas si on va faire le jeu une deuxième fois avec un nouveau perso ou on va faire le jeu en mode hardcore. Je suis sûr, on va essayer de le faire en mode hardcore, le jeu. Mais je sais pas si on va le faire avec un nouveau perso. Donc là, on a des tout nouveaux ennemis. Donc, je sais même pas pourquoi je continue cette vidéo, d'ailleurs. Vous savez quoi? Ces tout nouveaux ennemis, vous allez pouvoir les découvrir dans le prochain épisode, hein. Les petits filous, voyons. J'étais bien dans le jeu, moi, je vais continuer à jouer et tout, mais non, 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 on va prendre une pause, sinon on va prendre une overdose. Donc, du coup, c'est ce qui conclut normalement notre épisode. J'espère qu'on n'a pas tout à recommencer, sinon je referai le temps off. Je montrerai quelques niveaux et ça devra aller. Donc, voilà, on peut voir qu'on a plusieurs personnages. Bon, on n'a pas énormément. Ceux-là, c'est des personnages que j'ai acheté en DLC. Donc, bon, voilà. Et les autres, c'est toutes des personnages legit. Bah, elles sont toutes legit, là. Je vais dire que j'ai acheté. Les autres, voilà. Mais normalement, c'est tous legit. Donc oui, voilà. Donc, ben, c'est sur cet épisode, c'est sur ça qu'on va se laisser, les gens. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous voulez, ouais, ce que je vais faire en haut, c'est que je vais aller chercher le pet spécial. Je vais voir. Parce qu'il me semble avoir vu des bombes juste ici. Je vais voir. Je vais peut-être aller chercher. Donc voilà les gens, j'espère que cet épisode 2 de Castle Crasher vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et uniquement si ça vous a plu. Parce que si ça vous a pas plu, ben mettez pas de like. Et moi, je vous dis bye. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao les gens.